Les loulous, je suis à contre-jour, c'est pas grave. Je sais pas si en me tournant. Vous allez entendre les cris. On est. Ah, papa. Oui. Vraiment là, j'ai très peur. Déjà quand tu vois les grands huit les machins. Je vais faire une crise cardiaque, mais ça va être incroyable. On attend Alicia qui va venir avec un autre bus dans 2 secondes, clairement. Et ça sera parti pour une journée sensationnelle. Je pense que là. Vous pouvez même pas imaginer comme je suis comme gars. Là, je voulais filmer dans les attractions, j'ai dû me faire une dragonne exprès parce que sinon mon téléphone. On monte ma tête dans les attractions, j'ai tout le temps peur. Même si j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas envie de dire. On a retrouvé Alicia. Votre ressenti pour cette journée? Non, je la sens pas. Je me chie dessus. Je la sens pas. Mais j'ai trop hâte. Franchement, ça va être incroyable. C'est beau. Ah, bah c'est la France. Je sais pas si vous savez, oui. Il nous a donné carrément un petit calepin avec tous les trucs dessus. Okay, donc, ah, bah oui, bah bien sûr. Bon les gens, on a fait le Volantarium, je crois, avec Alicia Gwenaël, je sais plus le nom. C'est long mais c'était ça vaut très le long coup. Mais ça vaut le coup, genre c'est hyper immersif et tout. C'est comme si on volait, c'était trop bien. Madame a eu sa photo avec la mascotte. Tellement, elles sont tellement. Tu m'enverras, je me trouverai. Il y a un bazar là-bas, il y a du monde. Oulala. On a une madame, regardez, qui a eu la chatte de sa vie. Cette coupe première partie. Franchement, donc là. Filmez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous allez voir mon son. Il va faire la partie. Thank you, oui. Vas-y, ma vie, t'as 30 secondes là. Bah attends, je sais pas laquelle je prends. Non, t'as qu'une partie. Hein? Non. Non. Que ça n'a. Et après, t'as plus de bonnes. Je sais pas, je voulais la bleue, moi je sais pas ce que j'ai fait là. Ah. Là, la vie. Pourquoi toi tu peux et pas moi? En fait, je sais pas. Prends la bleue qui est au bord là. Avec la principale caméra. Mais en fait t'as vraiment eu de la chatte toi. Oui vraiment. Voilà. Tu filmes vraiment mal. Hein. Bon les loulous, on vous a un peu oublié dans le vlog. Il y a un monsieur avec un dinosaure. C'est très drôle, bref. En gros, on a fait. Comment ça s'appelle? Silver Star. C'est genre. Des montagnes russes. Non, des montagnes russes, oui, on est là. On a fait le Silver Star et c'était. J'ai failli m'évanouir. On va enlever les lunettes. Et là, on va refaire un autre truc, on vient de manger. Donc, si jamais on dégobille, bah voilà. Je peux pas vous emmener dans les attractions parce que on n'a pas le droit en fait au téléphone. Mais c'est chaud, c'est très très chaud. Non mais meuf, je vais crever. Hein. On a dû acheter des kawaii, des mini kawaii de 2,50. Regardez bien. Pour faire une attraction qui est pire que le Silver Star. Mais attends, on est dans la même direction les gars. Qui est pire que le Silver Star. Qu'on a fait, j'ai déjà failli m'évanouir. C'est gênant. Et sous prétexte que elle en a acheté 3, donc je suis obligée de le mettre et je suis obligée d'y aller parce qu'en plus c'est sous l'eau, bien évidemment. J'adore. Ok, je fais une mini vidéo. Il y a la descente qui arrive. Bye. Oui, bye. J'aime pas. Madame est hyper sereine. Pas nous. Ma chérie, tenez un coup de tête. Vraiment, waouh, genre c'est. C'est quoi? C'est Poséidon qu'on fait là. C'est Poséidon, quoi? Ouais, c'est le Silver Star. Ah, moi le Silver Star, je le refais, mais à la fin. Ouais. Et franchement, j'ai jamais fait de trucs à sensation, mais alors là, c'est dingue. C'est dingue, vraiment. On a fini Poséidon. Oui, j'ai ma brosse. Je la passe dans 2 secondes. Et là, du coup, on ne voit pas. On fait un petit tour en Grèce. Parce qu'en fait, c'est séparé en plusieurs pays en fait. Genre, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suisse, il y a voilà. Et du coup, on fait un petit tour un peu comme ça. Oh, il est très beau le mec. Mais bon, bah ça va s'acheter des frites apparemment. Je pense qu'on n'a rien parce que avec l'eau, voilà. Mais. Je sais pas combien c'est. Votre ressenti sur le Poséidon? C'est bien. Non, c'est bien. Ouais, mes cheveux. Oh non, bah je me paierai. Hein. Oh non. Ah, je suis trop beau là. Bon, bref, les gens. J'ai trop faim. Je vais arrêter de m'extaser sur ma tête.
juste regarder comment. Mange chili cheesy, je sais pas quoi, fries là. Chili comme cheese. Chili cheese, c'est du chili cheese. C'est, voilà. Bon, hein. C'est juste du chili con carne. 6,20€. 6,20€, il m'a dit le prix, j'étais en mode pardon. Mais il l'a dit en français le prix ou pas? Parce que j'ai compris. Non. Il l'a dit en anglais? Non. Je deviens bilingue, les gars. Autant. Mais moi, ça m'a paru comme si c'était du français. On s'en fout, on mange, nous. Même toi, c'est généreux. Hein. J'ai pas le droit de piquer dans les frites, mais c'est moi qui dois payer ensuite les hot dogs. Non, tu t'es proposé. Même pas pour moi. Bah oui, parce qu'elle elle paye à chaque fois, tu payes rien. Je paye rien. T'as payé mes chaussettes, merci. Merci Alicia. Je vais essayer de pas filmer les gens parce que c'est un peu compliqué. Regardez, je sais même pas si on te verra. Gwenaëlle, monte ta glace. Madame a pris caramel et nous deux on a pris un truc un peu Oreo, très bon. Je sais pas si on m'entendra parce qu'il y a beaucoup de monde, mais c'est pas du tout là les parachutes, hein. C'est là-bas je pense. Oh, moi je veux grave faire ça, hein. Oh ouais, c'est là. On va faire le train suspendu, regardez, attendez. C'est ça là-bas, bref. Voilà, c'est une super journée en tout cas. Ce caramel il est incroyable. Écoutez, attends. Ça sent vraiment genre les bonbons au caramel. Oh, ouais. Moi, j'adore le caramel. C'est caramel, j'allais dire sucré, logique c'est du caramel, mais bref. Bon les loulous, on a fait une attraction. Bah, en fait j'étais le seul à aimer. Ce qu'ils aiment pas. Mais en fait genre moi j'ai stressé tout le long et tout parce que je déteste les sensations, je les ressens fois 10 000. Et au final c'était beaucoup beaucoup plus. Ah ouais. C'était beaucoup plus calme que ce qu'on pensait. Mais en fait c'était bien, mais les filles elles ont pas aimé parce qu'il n'y avait pas assez de sensations. La tour là. Mais on. Tu seras toute seule hein. Ça ? Ouais. Bah viens, on y va. Ouais, on y va. Après, on fait les parachutes. Ok. Nous sommes avec Alicia. Gwenaëlle, montre ta tête. C'est long. On est un petit bateau. Oh non, il y a un bateau sur l'eau. Bah, on fera pas. Mais en gros, on est sur des petits trucs comme ça, vous voyez là-bas. C'est le seul truc. Non. C'est pas chiant. C'est très bien. Ben madame, dès qu'il n'y a pas de. Déjà, le Silver Star, elle était en mode mouais. C'est ça la meilleure attraction du parc. C'est bon, la madame, elle chante. Ah oui, on peut pédaler, mais ça sert à rien. Si, on avance plus vite, non? T'es sûr? Oh putain, de fou, je crois, non? Oh, mais on avance clairement plus vite. Mais non. Ah, c'est. Merde, je sais pas si on avance plus vite ou pas. Mais j'ai fait mal, hein. On va sûrement refaire quelques petites attractions après. De toute façon, il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 15h. Passé. On va faire le Silver Star une deuxième fois. Je ne peux pas vous emmener dessus parce qu'on n'a pas le droit au téléphone et on n'a pas le droit 15h06. On n'a pas le droit au sac. Et de toute façon, si on avait le droit, je n'aurais pas pris parce que j'ai pas envie de perdre mon téléphone. Mais franchement, c'est genre une super attraction quand même. Bref, on vient de faire le Pegasus. Qui était bien. Juste à côté du Poseidon. Franchement, je voyais pas ça aussi fort, mais en vrai, ça va, c'est bien. Ça dure pas longtemps, c'est chiant. Ouais, bah ça dure pas longtemps, mais moi ça me suffit. Et j'ai pas crié déjà. Là, on va faire le Silver Star. Oui, on retourne faire le Silver Star, l'attraction où j'ai failli m'évanouir. Voilà. Elle est au bout. Arrêtez. Du rouleau. Elle a attendu. Elle a sorti quoi dans le manège? Je suis cripsée. Je suis cripsée. Cookie crips, le machin. Bref. J'ai paniqué, hein, c'est normal. Hein. Ils font monter des gosses de 4 ans. Les gosses de 4 ans sur les photos, parce qu'ils prennent des photos. Ils sourient, hein, ils sourient. Ils sourient. Nous, on est en mode comme ça. Bah, insert à l'écran, photo de 4€ qu'on a dû payer. Sur un truc de merde. Oui, on va clairement à la mort. Voilà, Alicia, elle est toute contente, elle est la première à y aller. Là. Non, mais arrête, elle est en train de courir. Moi, j'ai trop peur, je suis pas bien. Moi, je me suis dessus. Ah bah moi aussi, j'ai failli m'évanouir la première fois. Moi mon cœur, j'entendais plus rien, mes oreilles, ils pouvaient donner de malade. Bon bah voilà, c'était une bonne chance. Merci. Y a peut-être pas de vlog qui va arriver. Ça se voit à ma tête que j'ai chialé, je crois, un peu quand même. T'avais... j'ai... Franchement, j'ai failli me... j'ai encore une nouvelle fois failli m'évanouir. Et c'est pas... Je me tiens à Alicia, déjà, le problème que je m'étais évanouie.
Et je me suis dit, c'est bon, Lucas, tu l'as déjà fait une première fois, c'est bon, t'arrêtes de tenir à elle et tu restes droit. Bah, je suis venu droit 2 secondes. Et j'ai regretté, je me suis remis contre elle. J'aime pas, vraiment, c'est horrible. Mais waouh, franchement, en vrai, ça fait des sensations de ouf. Gwenaëlle, elle est pas bien. Ça va, mec? J'ai pas envie de parler là. Waouh. Mais vraiment. Oh non, ça coûte cher, 4 euros la crêpe, c'est bon. C'était combien de donuts? Je sais pas, non, j'ai plus envie de donuts. Ça m'a enlevé l'envie de donuts. Bon, les loulous, on a fait, c'est quoi, comment ça s'appelle? Le Moulin Rouge, ça nous a tué vraiment. Genre. Non, mais tu vois. Bah. Bon, j'ai la peluche de Gwenaëlle et j'ai mon donuts que je ne peux pas manger. Mais c'est un petit donuts. Halloween. Donc voilà, on me voit vraiment mal. Pourquoi m'a passé sa peluche là? Vous avez la peluche en gros plan. Ouais. Ça nous a tué le Moulin Rouge. Hein. Ouais, non, c'est le Silver Star. Bah, le Silver Star, moi, ça m'a détendu. Alors que j'étais stressée. Mais le Moulin Rouge, ça a tourné et tout. Bon, voilà. Bien, mais en vrai, à la fin, c'est. Ouais, c'est immersif par contre, c'est trop bien. Ah, mais non, mais attends, tu sais que j'ai dit de la merde. On a fait plus que ce que j'avais dit tout à l'heure parce qu'on avait fait le truc cinéma là. Comme attraction. Ah ouais, ça j'ai pas dit, on a fait un truc cinéma, c'était hyper le premier bien. Qu'on a fait. Ouais. Bref, je vous reprends après parce que là la peluche elle me saoule. Bon, je suis désolé s'il y a du bruit. Bien évidemment il y a les voitures. On part de Europa Park. On attend le bus. J'espère ne pas m'être trompé, enfin qu'on s'est pas trompé, parce que voilà. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, ce fut une bonne journée. Impression. Alicia, ton impression? Ah merde. C'était bien, c'est passé vite. Du coup, bah, un peu le seum, genre. Ça te fait un petit coup au moral en fait quand tu sors du truc. Mais en vrai, trop bonne journée. Mais par contre, ils nous auraient pas donné de tickets, j'y serais pas allé. De fou. Heureusement qu'on l'a gratuit. Merci, restaurant. Merci ouais, Naël, j'ai failli mourir deux fois. Voilà, c'est ça mon ressenti. Bah, le silver. Voilà. Sachez que la deuxième fois, c'est pire que la première. Sachez-le bien. Oui, vraiment. Alors bon, que. Ouais, c'était bien. C'était bien, mais. Fouf. Tu le sens passer. Je vais mourir. Ah, bâtard. Elle crie ah, le bâtard. Vraiment, c'est trop drôle. Merde. Je m'en vais, bisous. Les loulous, ce fut une journée fort en émotion. Très dangereuse aussi. Non mais parce que moi je tiens à préciser que j'ai quand même failli mourir deux fois avec leur attraction de merde et qu'ils m'ont refait faire des attractions toute la journée. Non mais moi je tiens à préciser quand même. Alicia. C'est une tentative. Voilà. Alicia. Parce qu'elle nous a emmenés dans ces bourbiers, c'est une tentative de meurtre sur notre personne. On n'accepte pas. Oui non mais franchement c'était bien. Franchement. J'ai jamais fait de d'attraction manège association. La première chose qu'elle nous a fait faire, voilà, c'est le pire. Mais vraiment, le Silver Star, hein. Elle aurait pu y aller doucement, hein, il y a été d'un coup. Ah ouais, de toute façon, mais elle savait même pas que c'était le pire, donc on a vraiment fait le pire. Non mais elle savait très bien que c'était un manège quand même. Ah oui, mais elle savait pas que c'était le pire. Alors qu'on vient de commencer. Elle, on lui dit c'est le pire. Oh bon. Genre limite, elle est dégoûtée. J'étais en mode mes meufs. Elle souriait, hein. Elle sourit pas pour les photos, par contre quand c'est pour les manèges, ah, elle oui, pas de soucis, hein. Ah bah, non mais attendez. Bah, je vous ai mis à l'écran tout à l'heure la photo dans le petit manège. C'était un manège pour enfants. Nous deux, on rigolait parce qu'on pouvait rigoler. Elle était en mode plaisir, c'est nul. Oui, c'était nul, certes, il n'y avait pas de. Mais c'était drôle. C'était drôle. Je vous promets que nous, on était. Putain, putain. J'étais au bord de l'évanouissement. Non, vraiment, je rigolais pas. Deuxième tour, et à côté de ça. Ah, le bâtard. Comme ça. Non, en fait. Les gens disent, ouais, le premier tour, une fois que tu l'as passé, le deuxième, ça va. Non, non, niquez bien vos races. Ceux qui disent ça, la deuxième, j'ai pas eu crevé. À un moment donné, c'est parce que c'était le matin, ils font pas tourner les machines. Parce que c'est pas possible, c'était horrible. J'avais l'impression que c'était encore plus fort que la première fois, et tellement plus vite. Je me rappelais d'une. Mais à mon avis, j'ai dû m'évanouir le premier truc. Je voyais pas ça aussi long, hein. Et puis, j'avais pas. Mais pareil. J'avais. Mais pareil. Pour moi, il y avait qu'une descente, pas deux. Vous avez la première descente, vous y attendez celle-là parce que vous montez, vous voyez, mais vous fermez les yeux pour la descente, machin, vous avez le cœur qui bat, machin, un crève truc, machin. Il fallait m'évanouir là. Mais personne crie, personne ouvre sa gueule. Vous, du coup, vous voyez pas les premiers là, les premiers cons là. Ils crient pas, ou du coup, vous savez pas qu'il y a une autre descente, vous avez les yeux fermés. C'est pas la descente, c'est fait de la grosse mère.
Et c'est pas la première fois, je l'ai pas senti. Par contre, la deuxième fois, il y a une autre descente horrible comme la première. La première fois, je pense qu'on était tellement concentrés sur le fait de plus respirer que. Je vous promets, j'ai vu ma vie défiler une deuxième fois. Et puis après, ça te fait des tours des machins, non, bah c'est bon quoi. Je voyais tellement pas aussi long la deuxième, c'était tellement long. J'ai cru que j'allais crever. Hein. J'ai fait une attraction, j'ai tout seul. Parce qu'avoir abandonné, c'est de là. On est passé, mais il y avait quelqu'un devant lui avant qu'il passe. Ça va que c'était pas incroyable. C'était pas ouf. C'était bien. Moi ça m'allait. Mais juste la pas... première descente, elle était bien, monsieur. Mais voilà, franchement c'était pas mal. Je vous fais des bisous et puis soit au revoir, soit à demain. Les loulous. Elle nous a vus. C'est vrai. Bah elle vient pas nous voir. On a retrouvé Marguerite, mais elle veut pas nous voir. Vraiment. Genre là elle est en train de partir, elle est en train de brouter l'air. Que vous dire de plus? Bah, je sais pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui. On entame la. Il nous reste 3 semaines en gros. Ouais. Là, ouais, il nous reste 3 semaines. Bientôt. On rentre à la maison. C'est bientôt la fin des German Vlogs. Moi, j'ai envie de rentrer, mais j'ai envie de vous dire en fait, je vais laisser Marguerite ici. Je suis à deux doigts de l'emmener chez moi. Voilà, je vais écrire. Je vais essayer d'écrire mon roman parce qu'il faut que j'avance. Puis voilà. Moi, j'ai. Si. On devait aller acheter le repas de ce soir au Penny Market, mais j'ai eu une meilleure idée. Est-ce que ça te dit qu'on se fasse ce soir un vodka Fanta? Toi, tu vas y venir, va faire tout tester, hein. Bah, ça n'empêche pas qu'on aille chercher à manger quand même. Oui, mais on prend ça en plus, un petit Fanta mini. Oui, on prend un Fanta, de toute façon, la vodka, il nous reste. Ah bah, oui. Parce que si on ramène ça chez nous, ma mère, elle me défonce. Bah moi non, mais de toute façon je pense qu'elle a vu la vidéo. J'ai demandé à mon oncle. Ah bah non, elle a pas vu la vidéo parce que c'est la vidéo d'hier. J'ai parlé à ce mon soir, je vais en... du Pierre Pong, sachez qu'il fait la gueule. Après on peut faire un battle shot. Avec de la DSP aromatisée. Ouais, si tu veux, mais on peut merci, faire on peut faire un battle shot la aussi. La bière avec comme de ça la tequila. C'est moi, peut-être. Bah j'ai le droit de boire, mais j'ai pas le droit d'être bourré. Bah en tant que chrétienne, c'est comme ça. Hein. Oui, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, je trouve ça débile d'être bourré. Oui, faut savoir connaître sa limite d'alcool. Hein. Quand tu sais que c'est trop, c'est fini, c'est fini. Faut arriver à la limite où t'es joyeux. Mais pas trop. Mais tu vas pas aller vomir ou dégoûter voilà. Ta race. Mais t'es encore bien mentalement. T'auras la gueule de bois le lendemain quand même. Parce que l'alcool, c'est toujours un peu mal le lendemain. Mais... Bref, voilà. Madame va écrire. Moi, je vais chercher des idées de vidéos. J'en ai, mais il faut que ça se concrétise. Puis voilà. Je vous reprends peut-être quand on est au Penny Market ou si on se balade ou si voilà. Si on fait un truc intéressant. C'est le moment de vous montrer ce que l'on mange. Vas-y, Gwenaël. Bah, je vais vous parler du jambon du fromage. Bah, ouais, bon, c'est ça. C'est tout. On va faire dans notre magnifique bouteille. Ça va être la bouteille à mélange. Ça va mélanger du Fanta, ici présent. Je l'ai oublié. Avec de la vodka, ici présent. Moi aussi j'ai oublié, honnêtement. Je crois que je vais en faire qu'un tout petit peu. Parce que j'ai très très peur. Non, attends. Déjà, on va mettre la vodka. Hein. Tu me dis ce qu'on met comme vodka. Hein. Tu me dis stop. Ça dépend jusqu'où tu veux mettre stop. Du coup, tu veux mettre le Fanta. Tu me dis stop le Fanta. Moi, je. Non mais la meuf... Vas-y. Encore? Non mais j'avais mis clairement trop de vodka bon. La dernière fois en meuf. Hein. Oui, attends. Pour, hein. pour tout ça, j'avais mis ça. Ça pue la mort ton truc. On est pas des alcooliques. Hein. Les alcooliques, ils mettent plus d'alcool que de boissons. Ouais bah nous... nous on est niveau débutant. Mais tu mets pas que t'as des micros. Mais t'es bête aussi. Non parce que j'en avais mis dans un thé aussi. Ouais. Je te promets, j'en ai mis dans mes thés. C'est très bon d'ailleurs, dans le thé. Attention à ma série. Oui. Fais attention à ta série, j'ai peur. T'as remué un peu? T'as remué ou pas? Oui, j'ai remué, mais ça... Bah ça... Non, mais faut rajouter. Mais... Non, arrête ça. Je te promets. Ah, Lucas, je te jure, je t'ai... Y'a aucun goût. Ah non, il n'a plus. T'as vu quoi? Bah de vodka. Moi bon, c'est mort. Hein. Je suis claquée, je suis censée appeler ma mère juste après, elle va marquer direct.
Est-ce que tu l'as pas appelé? Je dois appeler ma grand-mère, je peux te dire que bon. J'ai pas eu au téléphone. En vrai, si ça va. Bonjour. Non, en vrai, de vrai, honnêtement, ça va. Mais en fait, ah, vaut pas le coup. Franchement, meuf, c'est clairement mieux que le coca. En bout, tu vas me dire, tu verras. C'est léger, mais c'est bon. C'est meilleur que le coca. Hein. Ça va. Je t'ai pas convaincu quand même. Ça va, ça va. Ça va. Ça, tu mets ça dans ta chambre. Parce que j'ai pas de place dans mes poubelles. Ah non, non, mais moi je garde. Ah, ok. C'est la première, tu me feras une petite dédicace au Stabilo. Oui. C'est un souvenir. Première vodka j'ai de ma vie. Stabilo, oui. Ouais, bah, un truc. Bref. Et ouf, on va arrêter nos bêtises ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si, petit fun fact, je veux savoir. Le dernier vlog qu'on a fait là, en une semaine, on a fait 145 vues. C'est mon record de vues. Parce qu'on est sur les vidéos, ça. Non mais. En une semaine, on a éclaté mon record. Alors que je crois que la vidéo la plus vue, c'est la toute première que j'ai faite. Et ça date d'un an et demi. Donc en une semaine, on a fait plus de vues qu'en un an et demi. C'est incroyable. C'est parce qu'on est dessus. Bah ouais, mais c'est ouf. Donc voilà, bah du coup, merci beaucoup pour les vues, tout ça. Rien. Ça me fait très très plaisir. J'ai vu ça tout à l'heure. En fait, je regarde pas trop les stats. Regardez les vidéos à Lucas, à n'importe laquelle, on s'en fout. Même si on n'est pas dessus. Merci beaucoup. Bah, si ce vlog vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Dans un abonné, on est à 60. Quand même, 60 abonnés. C'est si ça vous plaît pas, bah regardez pas. Hein. C'est un peu la fin du vlog, donc s'ils ont tout regardé qu'ils aiment pas, ah bah, c'est qu'ils se sont forcés. Hein. Bah, mettez pas de commentaires méchants. Bah, on vous dit à bientôt oui. Dans une prochaine vidéo.